Salut. Salut les Laurettes. Voilà, ben on est en Italie et justement je voulais profiter pour vous faire une petite recette italienne, faire revisiter bien sûr avec du poulpe. Du poulpe, voilà ce qu'il faut. C'est un poulpe à la sicilienne. Du coup, pour ça, il vous faudra deux poulpes où vous voyez la quantité selon les convives que vous avez. Des olives, j'ai pris des olives locales, mais après vous prenez des olives noires. Un petit peu de piment, mais en fait il faut du paprika que j'ai pas, de l'huile d'olive, deux boîtes de poulpe de tomate, un oignon, j'ai pris un peu de basilic, trois ailes, du sel, du poivre. Voilà. Allez, on va commencer cette recette. Vous dis à de suite. On va commencer par l'oignon. Voilà, peler un oignon. Pelé, il est pelé, j'avance un oui, petit pelé, peu le il travail. Est pelé, juste le couper. Voilà. Faire des petites. Des petites tranches et des petits tu bouts. Tu fais juste comme ça après. Non, tu non, le après comme... je ah, vais. Ah, tu le fais en petits bouts. Ouais. Ok. Ouais. On vous en montre un hein, après le. Et après, la magie de la vidéo, ça se. Un coup de. Comme ça, ça va se faire tout seul. Exactement. Voilà, vous avez compris. Allez, on fait tout. À voilà. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à viser, mais ça, c'est un peu plus. C'est de la magie. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour. On va faire l'ail. L'ail. Maintenant. L'ail. L'ail. Voilà, on enlève voilà. Le germe. Le germe. Il y en a trois. Voilà. Tu les coupes en petits bouts, tu les oui, laisses comme après ça. Oui, après je vais les couper un peu en petits bouts, mais léger un peu. Ouais. L'idéal c'est de les aplatir honnêtement. Mais c'est tout, ça garde ses saveurs au moins. C'est pas mal. Voilà. Joli, joli. Hop. Voilà. Là, il va vous couper, vous moi, écraser. Je vais les aplatir un vous peu. Les aplatissez, ça lâche plus de son goût. Quoi. Grosso modo, ouais. Quoi. Voilà. J'ai besoin de faire des petits bouts. Ça ne fait pas, nous on le sent par contre. Ça sent bon. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le reste. À tout à l'heure, les Laurettes. Voilà, le basilic, c'est pareil. On va le hacher. Et tout frais le basilic, tu peux le montrer dehors où il est. C'est où que tu l'as mis? Sur la table. Ah, attendez, je vais vous le montrer. On est dans un camping. Et le basilic, il est là. On l'a pris. On l'a fait traîner avec nous parce qu'on est en camping-car. Voilà. Et Simao, il est là. Allez, on revient au plat. Voilà, vous avez vu. Voilà. Allez. Je vais te récupérer un petit bol. Ouais. Le commis. Non, je vais le mettre travailler. Là. Je vais vider ça. Là. Ok, à de suite. À de suite. Voilà les bêtes. Voilà. L'essentiel, les poulpes. Magnifique. C'est l'essentiel du plat. Hop. Il est vivant. Un peu, ouais, ils sont un peu gélatineux. Ouais. Hein. Allez. Elle a trouvé ça. On va les débiter. On vide tout à l'heure. On est allé les chercher. Ouais. Ouais. Voilà, vous les coupez un petit bout. Oui. Je vais couper. On va enlever le bec parce qu'ils ont oublié. Ah ouais. Ils n'ont pas fait le bec. Il ne faut pas laisser le bec. Il faut l'enlever. Parce que sinon, ils vous piquent. Ça me plaît pas, j'enlève aussi. Mmh. Il y a des choses comme ça. Oui, quand ça ne plaît pas, on l'enlève. Mmh. Après, quand vous achetez du poulet frais, là, il faut le laisser bien au congélo pour le travailler après, sinon il est trop dur. D'accord. Ouais. Il faut le mettre au congélateur un peu. Ouais. Mettre au congélateur. Ça ralentit le poulpe. Ouais. Ça l'attendrit. D'accord. Quand vous achetez un poulpe. Bien frais quoi. Mmh.
comme on avait, comme on peut acheter oui. Au poissonnier, mais bien frais. Voilà, vous faites pareil pour l'autre. Ok. Allez. C'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti pour la suite. C'est parti pour la suite. Allez, c'est tout préparé. Allez, on a fait chauffer la poêle. On a fait chauffer le petit poêlon, là, la poêle. Oui, là, on est dans le camping. On est dans le camping-car, hein, c'est pour ça que c'est un peu serré. Mais on peut quand même cuisiner. Un peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Là. Ça, c'est. Regardez si c'est bon. Impeccable, ça crépite. Ça, c'est. Les oignons. Les oignons. On demande, hein, le commis, il ne fait pas tout. Hein. C'est clair. Mais donc, c'est pas mal, ça. Hein, ça crépite, c'est bien. Ouais. Je vais mettre là-haut. Non, mais j'ai peur que le bruit fasse. Ah, ouais, ok. Ça fait un peu du broum-broum là-haut. Hein. On va la mettre. Les câbles. Allez. Allez, bien, tout à l'heure. Oui. On laisse bien réussir. Hein. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Alors, aux oignons, on va rajouter de l'ail. Voilà. Hop. Voilà, vous mélangez, vous laissez continuer, voilà, puissant de tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est beau. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Voilà, ça commence à prendre une belle couleur, ils sont juste translucides. Ça va être presque bon. Presque bon. Allez, on revient. Allez, là, c'est bon. On les enlève. Voilà, on va les on mettre les de côté un dans peu. Le petit bol là. Voilà. Et après, on reviendra après. Oui. Là, on va faire autre chose. Ouais. Hop. Allez, à dessus. On part avec un peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Et là, tu vas faire. Je vais faire revenir un peu les poulpes. Les poulpes. Je vais les couvrir un peu. Oui. Voilà. Et là, on les laisse. On va attendre un tout petit peu que ça. Allez, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop. On va vider un peu le. Ouais. Ça fait du jeu de vue. Voilà, on va l'enlever. Allez, à dessus. Mais là, le jus, il n'y en a plus. Il n'y a plus de jus. Alors, du coup, je vais mettre des olives du coin. Voilà, je ne vais pas mettre de trop. Et après, je vais mettre du sel. Voilà. Après, je vais mettre du poivre. Un petit peu. Voilà. Après, je vais mettre du piment. Et si vous avez du paprika, c'est bien avec un tout petit peu de piment. Mais je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il arrache, hein, celui-là. Voilà. Là. Franchement, après c'est pas très bon. Mélangez tout ça. Voilà. Je rajoute les oignons qu'on a fait au départ. Avec l'ail. Voilà. Ça sent bon. La vaisselle là-haut. Ouais. Vous trouviez bien. On s'attultouille. Ça, ça me place.
reviens. Oui, je reviens. Voilà. Après, la tomate. Et après, ça se mange avec quoi? Des bonnes pâtes. Quoi. Voilà. Comme on est en Italie. Ou à l'apéritif, tu le laisses refroidir et tu. D'accord. J'avais prévu deux boîtes, mais finalement, une va suffire. Ouais. Après, ça va être peu. Une boîte. Là, on l'a ouverte, dommage. Ouais. Donc... Mais bon, on va la mettre en une. On a un truc ouais. qui pourra qui se ferme bien la fois. Ouais. Voilà. Une boîte qui se ferme. C'est pas de pub. Là. Et là, on laisse. Et voilà, mijoter. Et là, on laisse mijoter. À tout bout, tranquillement. Et à tout à l'heure. Mieux c'est réchauffé, mieux c'est. C'est-à-dire plus c'est réchauffé, mieux c'est. Okay. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Ciao. Bon, après, c'est du mijotage. Hein. Mieux ça mijote. Et plus ça mijote, mieux c'est, encore une fois. Et après, pour finir, ben, vous mettez du basilic, basilic dedans. Vous servez. Nous, on ne le fait pas parce que... On va le manger ce soir. On va le manger ce soir. Alors, avec des pâtes, je pense. Le basilic, vous le mettez comme vous allez à table. Quoi. Voilà, des pâtes italiennes. On va faire les pâtes. On fera les pâtes ce soir aussi. Quoi. Là, on va le laisser mijoter, le laisser dedans toute la journée. Ouais. Et ce soir, eh bien, voilà. Ça sera que meilleur. Voilà. Sur ce, on vous dit au revoir les Lorettes. À bientôt, et on va essayer de passer d'autres vidéos. Ciao, bye. Ciao. À bientôt, bye bye. Voilà. Ciao, ciao. Pour accompagner ce plat, un petit moscato. Allez. Au revoir les Lorettes, à la prochaine vidéo.